Hey, 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 mes petits cucus, voici un nouvel épisode. House Flipper, oui, j'aime ce jeu, et j'adore aussi la musique. On va donc tout de suite continuer le jeu, et on va chanter tous ensemble. On va faire une petite mission, et du pognon, ouais. Et on est retourné dans notre maison, la petite maison de notre appartement. Ouais, on n'a pas changé la maison, hein. Et on va utiliser le petit ordinateur pour faire une petite mission. On a toujours 8 mails. Alors, bunker, jardin d'enfants, maison de kitsch, chantier de nettoyage du garage, peinture dans la maison, demande de nettoyage de la maison, maison à rénover. Salle de bain et atelier. On va prendre le bunker. Avec salut de Stéphane Marinier. Salut, avec ma femme, nous avons acheté une maison qui renferme un bunker d'après-guerre. Le précédent propriétaire ne s'est pas rendu compte de sa valeur et l'a transformé en débarras. Nous, c'est la sécurité qui importe avant tout, et dans cette région, le climat n'est pas vraiment clément. En cas de tornade ou pire encore, nous voulons disposer d'un endroit où... d'un endroit sûr où nous pourrons passer plusieurs semaines en attendant que les conditions s'améliorent. Salutations. Eh bien, écoutez, ouf. Ouh, il y a de la vinasse. Ouh, il y a de la vinasse. Et apparemment, il n'y a pas de kéfer. Alors, il est où ce bunker? Moi, je dis, on va rentrer dans la zombie, non? Oui, mais je commence déjà à faire nawak, moi. Allez, on va rentrer dans la maison. Déjà, on va aller dans le jardin. Oh, nous, on s'en fout. Nous, toutes les portes. Ah! Je me serais fait U. Ouvrir. Fermer. Ouh là là! Tenez pour monter, descendre l'échelle. Tenez pour descendre l'échelle. Ah oui, alors. Il y a des petites nouveautés au niveau du gameplay. Ils ont fait des... Ouais! Ils ont fait des améliorations. On est dans les chiottes. D'accord? Ils ont fait quelques petites améliorations, des changements, on peut acheter plus de choses d'un seul coup. Ouais, les toilettes, on va le jeter aussi, ça aussi. Ça, on va le garder. Ok. Oh, il y a tout qui tombe. Hop. Ça, on va la garder, on va sortir le balai magique. Eh oui, toujours le balai magique, ça, vous connaissez. Par contre, ça me dérange un peu qu'ils puissent atterrir directement dans les chiottes. C'est un peu bizarre. Alors, mais c'est tout petit quand même, hein. Je pense pas qu'il y a que ça, hein. Ah, il est beau ce meuble. Non, alors, je veux juste prendre, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. On va fermer ici. On va nettoyer. Ah, mais il y a des mégots. Il faudrait que je nettoie. Au niveau des crasses, c'est bien. Par contre... Ok, très bien. Et toi, on va te remettre un peu plus droite quand même. Sinon, ça sert un peu à rien. Alors, ouais, je vais juste tout faire, hein. Avant, on va tout nettoyer et tout. Et c'est toute petite salle. Et là, c'est quoi? Elles sont... Je suis coincée. Ok. Je peux sortir, s'il vous plaît? Ah! Ok, ici, c'est quand même un peu plus... Ouais, voilà. On est un peu plus dans la plus grande pièce. Et en fait, on devra... D'accord. Bon, bah écoutez, on va débarrasser, hein. Ça, c'est... Ah, ça, c'est à jeter. Jeter. Ça, on ramasse. Ah, il jette la vinasse. Mais ces bouteilles, elles sont pas ouvertes, monsieur. Pourquoi vous jetez de la vinasse comme ça? C'est peut-être d'un bon cru, un château Latour, qui on sait pas.
Bon. Alors. En tout cas, c'est au moins il y a une chose qui est bien, c'est qu'on n'y a pas de cafard. Devinas, il y en a. Hein. Ah, ils ont fait quelques soirées arrosées, les anciens propriétaires. Oh non, mais. Oh, c'est dégueu. Il faut tout jeter! Ouais, il y en a une ou deux qui a fui, quoi, mais tout n'est pas acheté, monsieur. On peut en garder encore. Non. Hop, hop, hop. Un petit micro-ondes. Hop. Oh putain, il y a tellement de bouteilles. Il y a trop de choses, moi j'arrive plus. Eh, alors j'arrive plus à viser. Hop, hop, hop. Ah bah la chaise, elle est partie avec, lui dis donc. Ah bah je clique, hein. Je clique en masse, parce que là. Hop! Ok! Enlever les ordures 95%, j'ai pas tout enlevé. En tout cas, là je vais enlever toutes les tâches, ça c'est sûr. Ah non, il y avait encore une bouteille que j'avais pas vue. Tac, 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 tac. Ok, c'est bon. Quoi, qu'il y a encore un tout petit truc noir là qui reste. C'est peut-être juste les ordures. Et il reste. Ah oui, il y en a encore une là. Elle vole. Ok! Alors, enlever. Donc on peut vendre aussi. C'est ça, faut enlever. Faut tout enlever, en fait. Il vaudrait mieux ne pas faire ça. D'accord. Enlever étagère de garage. Ah, parce qu'il faut que je bouge le truc, c'est ça? Oui, il veut le garder, ça. Ok, monsieur. Essayer de mettre ça bien. Micro-ondes. Et ça, il n'en veut pas. Placer meuble dévié. Ah oui, d'accord, ok. Ok, très bien. Est-ce qu'on va pas vider aussi les autres pièces? Peindre. Placer l'objet. 36? C'est une blague. Tu me prends pour qui? Ah oui, non, d'accord. Donc il veut pas qu'on vende tout quand même. Hein. Ici. Enlever. Placer l'objet. D'accord. Et ici. Est-ce qu'on doit vendre? Enlever l'objet, le truc de métal. Placer l'objet. Ah ouais. Ok. Bah écoutez. On y est. On y est et on va donc placer. Alors on va d'abord peindre, hein, j'ai envie de dire. Peignon, peignon. Peinture, c'est blanc. En acheter. Ah oui, parce que vous voyez maintenant, on peut acheter soit un seul pot, soit plusieurs. C'est une des nouvelles améliorations. Et on va donc peindre maintenant. Ah, c'est clairement que ça a une nouvelle jeunesse maintenant. Alors, on va peindre là. Et nous sommes à Saint-Poussin. Donc, placer l'objet meuble évier moderne Andy. Dis-moi oui, Andy. Donc, cuisine, meuble évier. Angle. Ah non, angle. Attendez, meuble évier? C'est quoi le truc? Meuble d'évier moderne, Andy. Ah, c'est ça. Tchouk. Est-ce qu'on va mettre. Je suis pas sûre, hein. Tech.
poirier africain. Ah, c'est joli. Par contre, on va pas mettre en gris, s'il faut. Ouais, c'est joli. Évier blanc ou évier argenté. C'est pas mal. En acheter un, c'est déjà pas mal, hein. Ce sera donc la cuisine du bunker. Hop. Placer gazinière 4 feux. Ouais. Placer gazinière 4 feux. Électroménager donc. Placer gazinière 4 feux. Ah, c'est ça. On va en acheter qu'un. Ah oui. Ok. Placer l'objet bouteille de gaz. Oh! C'est où ça? Bouteille de gaz? Bouteille de gaz? On va regarder. Hein. Ah oui. Ah bah d'accord. On va la mettre là. Meuble suspendu moderne Andy. Meuble suspendu moderne Andy. Suspendu moderne. Ah, meuble TV. Meuble suspendu moderne. Ah, mais c'est ça. Un poirier africain. Blanc. Non, bah, gris. C'est déjà gris. Ouais. Oh. Ouh, c'est classe. Ouais, on va le centrer comme ça. C'est pas mal. Ou juste mettre au-dessus. Ouais, il va pas trop vouloir. Hein. Il est pas trop content. On va le centrer comme ça. Hop! Et placer l'objet canapé ombre. Ok. Placer l'objet canapé ombre. Canapé ombre. Ça! Alors, azur, rouge, gris, marron. Je dirais gris. Mais je suis pas sûre d'avoir la place là, par contre, les enfants. Je vais mettre là. Mais il va falloir que je vire ça, parce que ça, à la limite, on s'en fiche. Mais monsieur, il voulait pas que je le vende, alors on va mettre ça sur l'évier. J'ai envie de dire, ça gêne plus. Ça, je vais le vendre. Hop, comme ça, ça gêne plus. Le micro-ondes. On va le mettre là par terre en attendant. Et le canapé, bah, il peut faire sa vie ici. Hein. C'est pas encore trop gênant. Il y a encore de la place. Je sais pas ce qui me... Ah oui, il faut une table. Donc, effectivement, on va devoir se serrer les coudes. Table slim. Bah, j'aime bien. Hein. En plus, comme on choisit les coloris. Ah, table slim, c'est celle-là. Blanc, noir ou en bois, est-ce que ça va coller? Ben, on va prendre celle-là. Hein. Voilà. 2 fois chaise Ingolf. Ok. Chaise Ingolf, ça je les connais, les Ingolf. Celle-là. Boîte grillotier, non. Être, non. Gris. Oh ouais, mais voilà, ça s'accorde pas au niveau des coloris, quoi. C'est chiant. C'est super chiant, par contre. J'ai envie de dire ça, mais c'est pas beau. Voilà, c'est... Je vais vendre la... Tant pis. On va reprendre la table lime. Slim, je sais pas quoi, là. Ben, en fait, j'ai le souci du truc joli, quand même. On va prendre en bois. Hein. En blanc. En bois. Pff, comme ça, je mettrai les chaises en blanc, aussi. Et ça posera des problèmes à personne. Vu qu'il n'y aura pas de faute de goût. Voilà.
Blanc. Ah ben, c'est vrai qu'il y a la nouvelle fonctionnalité, mais... Il n'y a pas encore l'habitude, hein? 2. Placer 2 fois étagère suspendue hup. Étagère suspendue hup. Alors, je sais pas du tout où ça peut être. Applique. Non. Alors, attendez. Étagère. Excusez-moi, vous avez commencé. Étagère suspendue. Hop. Alors. Bah. Mais pareil, hein, y a pas tous les coloris qu'on veut, quoi. Gris, c'est pas un beau gris. Bois de grillotier, c'est trop rouge. Wenge, c'est trop noir. On va prendre gris. Et on devait en mettre 2. Et j'ai oublié parce que je suis trop nulle. On va mettre ça là. Hop. Et on va reprendre une. On va mettre une là. Voilà. J'ai fait ce qu'il fallait dans cette pièce. Juste par souci du détail, je vais ranger ça mieux. Voilà, ce monsieur ne veut pas vendre ses outils. Ce qui me ferait rire, c'est que je puisse les mettre là-dessus, mais je pense pas. Et micro-ondes, il reste par terre. Ah, bah on peut mettre là. Ouais, c'est rigolo. Voilà. On va mettre contre le mur. Il y a de quoi faire à bouffer maintenant, hein? Ouais. Un petit peu dangereux quand même, mais bon. Voilà, la cuisine salon. Ah oui, on peut monter à l'échelle. Mais je vais pas monter. Au secours! Je suis coincée. Non, c'est bon. Allez, on continue. On va faire maintenant cette pièce-là. On va fermer. Ça, c'est bon. On faut peindre avec les couleurs blancs. Bah oui, c'est pas comme si j'avais vendu le pot déjà, bien sûr. Toujours, toujours, toujours. Cette fois-ci, j'en utiliserai. Enfin, je le vendrai pas. Et on est parti pour la peinture de cette pièce. Ben voilà! 100%! On va juste bouger là. Placer l'objet armoire à pharmacie. Ok, alors ça pareil, c'est une nouveauté, je pense. Hein. Survival, je pense. On va la mettre. Oh là là! Oh là là! Calme-toi, calme-toi. Hop! Placer l'objet 5 containers à eau. Oh la vache, il faut poser 35 trucs! Non mais 5 containers à eau. Donc ça doit être des gros trucs là. En acheter beaucoup. D'accord, j'ai compris. Et on peut les placer directement ou pas? Pas trop trop. On va en mettre 1, 2, 3, 4. Et 5. Ah, c'est bien cette nouvelle fonctionnalité! Je kiffe! 4 bouteilles, boîtes de conserve d'aliments. Oui, mais d'aliments, quel genre d'aliments? Remarque, je pense que c'est spécifique. D'aliments en conserve, ça doit être. Ouais, ça doit être ça. On en a acheté beaucoup. On va voir.
Juste que je sois bien placé. 3, 4. C'est pas ça. 4 boîtes de conservation d'aliments. 4 boîtes de conservation. Ah bah c'est pas ça, ouais. Non, 4 boîtes. Boîte de conservation d'aliments. Je vais trouver un. Ah, c'est ça! Oh, excusez-moi. Alors, une, deux. C'est pas grave, ils auront eu des trucs en plus. Hein. Ah putain, trois. Et quatre. Placer quatre boîtes. Mais c'est pas ça? Grande boîte. Ah merde, hein. Je suis sûre que j'avais trop acheté de choses, moi. Mais je suis généreuse, je leur offre des trucs. Ah là là, placer deux cornichons. Qui c'est qui mange des cornichons? C'est dégueulasse. Oh. Deux cacahuètes. Ah, ça, le beurre de cacahuète, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, acheter beaucoup, c'est beaucoup dire, mais... Ok. Deux cacahuètes, non. Ça n'a pas marché. C'est pas ça. Ah, j'ai pris du beurre. C'était pas cacahuète. Oh, bon sang. Et... Oh, puis j'ai cliqué que pour un au lieu de plusieurs. Il faut le temps. Il faut le temps que je me mette cette fonctionnalité dans la tête. Deux soupes en bocal. Attention que je ne fasse pas de la merde cette fois-ci. Soupe en bocal, c'est ça. 4 pâtes. 4 sachets de pâtes. Alors. On va commencer à se mettre sur ce truc-là quand même. 1. 2. 3. Et 4. 4 paquets de riz. Bah, si avec ça ils ont encore faim. Oui, je sais, c'est pour survival. Hein, mais... Où qu'il est le riz? Il est là. Eh ben, on va faire un en queue le leu aussi. 1, 2, 3 et 4. 3 beurres de cacahuète. Tu te fous de ma gueule? J'en ai déjà acheté 2. Oui, pas assez parce qu'il devait en avoir 5. C'est pas grave. Acheter beaucoup. 1, 2, 3. Ok. Deux fois tomate en boîte. Allez. C'est reparti pour un tour. Tomate en boîte. Tomato en boîte. C'est combien? Deux fois. Ça va. C'est pas des gourmands. On peut le mettre au-dessus. Je ne suis pas sûre. Non. On va le mettre avec le riz et les pâtes. Conserve de viande. Conserve de viande. Des meatballs. Ça va me donner faim tout ça. Et deux thons en boîte. Là, on est dans le garde-manger. Hein, c'est officiel. Tac, tac. Et placer l'objet coffre. Est-ce que c'est coffre-fort? Un petit égout, non? Coffre. 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 Je vais faire une recherche. Ah oui. Non, non, on n'en achète qu'un. On va le mettre là. Hop. Eh ben ici, c'est parfait. Je vais peut-être ranger ça. Parce que je suis quelqu'un de sympa. Donc ça peut être intéressant d'avoir ça dans ses affaires. Dans cette pièce. Nous fermons. Ouf. Il faut peindre des couleurs blancs. Eh, je le savais. Allez, c'est parti pour la peinture.
ne me fais pas monter ou descendre de l'échelle, mon petit. J'y suis pas encore dans l'échelle. Nous sommes à 100%. Je vais te bouger aussi, toi, parce que après, on est dans la salle de bain. Nous, on va placer l'objet de lit avec tiroir. Ok. Donc ça, c'est censé être la chambre. Lit. Ça. Deux lits avec tiroir. Alors, on va essayer de faire un truc sympa. Bois blanc. En bois. Tiroir en bois. Et drap. Drap blanc. Marine. Rayure. Orange. C'est pas ça. Ouais, non, blanc, c'est bien. On va en acheter deux. Un ici. Et l'autre. Choc. En face. J'espère qu'on n'achète pas trop de trucs parce que là, c'est un peu 4 fois étagère suspendue. Up. Ok. Étagère, non. Étagère suspendue. 4 fois. On va faire ça en... Ouais, allez, en azur, on s'en fiche. Alors, on va en mettre une là, la tête de lit. L'autre ici. S'en fiche, hein. Celle-là et là. Ok. Eh ben, on est bien. On a fini pour cette pièce-là, pour la chambre de bunker. Et on va finir ici. Alors, il faut poser les carreaux. Placer, cumuler. Sinon, je monte les équipements. Poser les carreaux de mur, carrelage, carré, gris. Aïe, aïe, aïe. Carrelage, carré, gris. C'est ça. Bah oui, parce que là... Je pense que... Oh, c'est trop bien, cette fonctionnalité! Parce que sinon, ça va être chiant, en fait. Déjà que c'est long à faire, et ouais. Bon, on est parti, hein. Le relou à faire, ça sera ça. Mais bon, déjà, je gagne du temps, mais ce qui est vachement plus rapide qu'avant. Mais on se retrouve à la fin, quoi. Eh ben, on est à 100%. Peut-être que j'en avais acheté un chou trop, mais bon, voilà, c'est pas non plus la mort pour la perte. On va monter les équipements maintenant. Ici, c'est une doudouche. On va dévisser d'abord, sinon ça ne marchera pas. Et voilà, on peut acheter la douche et l'installer. Je suis paumée, je ne sais plus. Installation, non, salle de bain, oui. Bon, ils n'ont pas à rajouter une nouvelle douche par contre. Donc ça c'est un peu chiant. Ok, hop, c'est parti pour installer. Le truc plus chiant du monde, c'est bien la douche. C'est tellement long. Ouais, si vous avez malheur de ne pas cliquer au bon endroit. Hein. Ah, là. Voilà. Hop. La petite poignée. Ça, c'est le truc là. Ça, c'est le truc là.
Là, on est encore là. Hop. Ça, c'est pour l'ouverture de la porte. Yeah. Le petit pack de douche. Et voilà, on a installé la douche. On est fiers de nous. Ok, maintenant c'est les toilettes. Ah, homme à tout faire. Bon, bah, plâtrage, voilà. J'ai tous les skills maintenant. Donc, toilettes. On va prendre un compact flatty. Allez. Et on va l'installer. Ça doit être très rapide là par rapport à la douche. Hein. Voilà! On n'a pas grand-chose à faire. Et ici, tu peux acheter l'évier. Il n'y a pas à installer. C'est juste tout de suite l'évier, quoi. Il n'y a pas à désinstaller, ouvrir, dévisser ou je sais plus. On va. Hop. Hop. Excusez-moi, monsieur. La petite rondelle. Le petit boulon, la petite rondelle, le petit boulon, le petit truc là, le petit tuyau. Mais c'est pas maintenant qu'il faut faire ça, dis donc. Tu m'induis en erreur. Le jeu, d'habitude, il veut pas. C'est là. Et là, j'ai pu avancer déjà sur un truc qui va être fait après. Oui, il y a déjà les trucs, vraiment, j'aurais dû le faire après ça. Voilà, ça c'est fait. Et placer l'objet cumulus d'angle. Cumulus d'angle. Ah. Quelque chose qu'on n'a jamais fait, ça. Cumulus d'angle. Cumulus d'angle. Ah, d'accord. Où? On s'en fout. On le met. Placer l'objet commode mâle. D'accord. Ça doit être armoire et meuble. Commode. Table de nuit. Commode classique. Ah, petite commode. Double. Commode double. Commode mâle. Ah, c'est celle-là. Alors, quelle couleur? Blanc. On va pas s'emmerder. Tu veux que je la mette où? La commode, espèce d'idiot. Là, entre les toilettes et la douche. Ben oui, parce qu'on n'a pas d'endroit pour mettre ses vêtements, ce serait dommage. Support pour rouleau de papier toilette. Ah bah ben oui, que ferait-on sans le PQ? Moi, je vous le demande. Voilà, on a acheté qu'un, hein. Ben, on n'a pas besoin de forcément de 15 000 PQ, hein. Mais on doit quand même acheter 4 papiers de rouleau toilette. Ça, je sais que c'est dans Survival. On a acheté beaucoup. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et on a tout fait. On a fini le chantier. Et on a gagné 10 000 euros. C'est énorme. Et voilà. Et voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Petite nouveauté aussi que j'ai vue là tout à l'heure sur Twitter, que j'ai raté probablement les premières infos, mais je vous avais parlé de l'histoire du jardinage, que bientôt on pourrait faire le jardin autant qu'on faisait les maisons. En fait, il va s'agir d'un DLC qui sortira apparemment bientôt. Donc j'espère vraiment vous proposer un épisode avec le jardinage, donc croisez les doigts quoi. Là, j'ai très envie de refaire une mission juste après. Je vais essayer de me ressaisir, mais j'ai très envie. Est-ce qu'on va voir ça? Mais les maisons, voilà, j'ai envie d'acheter la prochaine maison quoi. J'ai une maison là, j'en ai vendu deux. On l'a vendue à Raphaël. Et on l'a vendue à Daniel Trusk. Et à vendre, par exemple, on a celle-là. Qui est Pache, qui est toute petite, elle est encore plus petite que les autres, mais je me dis qu'on pourrait très bien la vendre au mec là qui veut pas de cuisine. Petite maison de camping, ça lui irait très bien pour lui ça. Après on commence à être c'est plus grand quoi. Ça va avoir plusieurs pièces. Hein. Donc voilà.
Moi, de toute façon, avec ce jeu, je vais te faire toutes les maisons. Hein. Vous allez toutes les voir. Hein. Posez pas trop de questions. Vous les verrez toutes, une à une, on va les faire. Et moi, celle-là, c'est la prochaine. Et je me tâte. Soit on attend le DLC, soit je la fais avant, quoi. Parce qu'il n'y a pas de date, en fait. Donc, c'est... Pour une fois, ce sera vraiment pif, quoi. Bon, en attendant, moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de House Flipper. Et puis, oui, voilà, je vous donne, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut.